clairement ce qu'on fait comme travail en tout cas. Alors qu'est-ce qui se passe ici? En fait, on a créé une petite épicerie solidaire. Donc le magasin de l'Aise, on a trois de l'Aise. On nous fournit gratuitement tous les jours de la nourriture, du lundi au samedi. Donc là, on partage, il y a de tout. Il y a du pain, il y a de la viande, du poisson. Donc voilà quoi, ce que le Seigneur fait ici. Donc c'est l'épicerie solidaire de Bruxelles. Alléluia. Il a été mis en place il y a au moins il y a 3 semaines de là. Il y a 3 semaines que cette épicerie a été mise en place. Donc les frères et sœurs peuvent venir se servir gratuitement. Voilà, la toute nouvelle épicerie de Bruxelles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Trésor, qu'est-ce que se passe ici là avec tout ça là? Bon, là on vous présente l'Asbel de Belgique, donc Maranatha apparemment. C'est l'épicerie Maranatha. L'épicerie Maranatha pour nourrir tous ceux qui en ont besoin, les chrétiens qui ont des difficultés, en même temps aussi les inconvertis. Les païens, ouais. Les païens pour les aider aussi. Donc ça a démarré sur les chapeaux de roue, hein. Donc vous pouvez voir. Waouh! Voilà. Bah, ils sont bien organisés. C'est ça, il y a des frigos juste à côté là-bas. Gloire à Dieu, l'épicerie solidaire de Bruxelles. Oui, tout à fait. Voilà. Ah les amis, ça travaille. Hein. Gloire à Dieu. Là, c'est le premier. Merci Dieu, merci Seigneur. Donc vous avez carrément toute une, n'est-ce pas, panoplie de frigos, de congélateurs. Toute une organisation. Là, il y a des dons de frigo aussi. Des dons de frigo, parfait, merci Seigneur. Congélateur, frigo, toujours. Pour aider les gens qui sont dans les besoins. Merci Seigneur pour l'œuvre de Bruxelles. Qui a connu beaucoup de combats. Et aujourd'hui, Dieu travaille. Je suis son œuvre. Merci.